Bien, bonjour à tous, Sandra du 04 et aujourd'hui on va se retrouver pour faire le tutoriel sur les branchements de l'HDPVR. Donc j'ai beaucoup cherché sur YouTube et la plupart des tutos montrent juste comment brancher les câbles sur l'HDPVR, mais aucun tutoriel montre comment le faire marcher parce que la plupart des gens ont des soucis pour les branchements sur la Play et surtout pour les réglages de la PlayStation. Donc on va commencer direct. Alors pour le faire fonctionner sur la PlayStation 3, vous avez besoin donc juste d'acheter à part le câble Yuve qui est ici. Donc celui que vous voyez, donc là je vais brancher une sortie que j'avais oubliée. Donc vous le voyez, il est branché donc en in et le câble qui est livré avec le PVR est branché en out, donc out. Et donc les réglages principaux, donc je vais vous montrer. C'est que les gens donc oublient la plupart du temps d'aller donc dans les paramètres. On va dézoomer un peu, hop. Et d'aller dans l'affichage donc qui est ici. Donc moi vous pouvez voir maintenant que ma télé là est en HDMI et il faut la passer en composante des terminales. Donc pour le faire, moi je vais vous montrer. Vu que mon PVR est paramétré, vous avez, tiens, enlevé le portable. Vous n'avez qu'à mettre sous tension le PVR. Donc vous le voyez, le PVR est allumé. Et donc si vous voyez, le câble que je vous ai montré tout à l'heure, il passe là. Et il se loge derrière la PlayStation, ici. Et le câble qui est livré avec le PVR se branche ici. Là, il vous faut obligatoirement une télé haute définition pour faire fonctionner un HDPVR. Donc maintenant, on va procéder au réglage sur la PlayStation. Et donc tout d'abord, vous allez sur composante, qui est là. Hop. Et vous allez faire le changer. Donc vous changez, et moi, avec ma télé, il faut changer le canal. Donc là, vous voyez, j'étais sur HDMI, je me mets sur YPBPR, qui signifie la couleur des fils que je vous ai montré. Donc rouge, blanc, rouge, bleu, et blanc, un truc comme ça. Et donc là, vous voyez que ça a marché, le PVR a trouvé la télé, donc vous faites oui. Alors, le PVR, ma télé, moi, n'accepte pas le 1080p. Si je le fais, ça laguera trop sur YouTube, donc je vous conseille le 1080i et le 720p. Donc vous appuyez sur suivant, vous laissez faire la mise à jour de la PlayStation. Donc là ça y est, c'est en HD et on va se retrouver désormais sur l'ordinateur. Donc en audio, vous mettez connecteur d'entrée Peritel, ok. Donc là tout est fait et on va se retrouver sur l'ordinateur. Donc vous prenez le câble USB, on va débrancher la caméra parce que qu'est-ce que j'ai raconté, on va le mettre là, tac. Vous voyez, j'ai un autre port juste derrière. Donc voilà, là le PVR est branché, il est connecté à l'ordinateur. Donc, vous allez juste dans périphérique imprimante voir si PVR est détecté. Donc vous pouvez voir au page HD PVR capture device. Vous allez après dans l'officiel, qui est total méga extrême. Et là vous faites enregistrer vidéo. Oh, on voit, c'est beau. Et donc là maintenant, vous allez voir que il a trouvé. Et maintenant, vous pouvez voir sur l'écran de l'ordinateur, pardon, la haute définition de la PlayStation qui arrive là. Et ben voilà pour le tuto. J'espère que ça vous aura bien aidé. J'avais déjà aidé Magemo 6 à brancher son PVR qui avait des gros soucis. D'ailleurs, je t'ai fait une petite dédicace. Et ben maintenant, voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura énormément aidé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. Allez, ciao.